toutes, bonjour à tous et bienvenue au lycée Marcel Callot. Vous pouvez vous asseoir. Dans le cadre de la journée du respect, nous allons vous diffuser un documentaire expliquant pourquoi tous les établissements scolaires à partir de la seconde sont dotés du dispositif Autoclaque 3000. Nous vous rappelons que ce dispositif a été mis en place par l'État en 2030, suite à de très nombreuses et très graves incivilités. Pouvons-nous dire que nous allons vers la dictature suite à des dérives dont nos aînés sont responsables, mais dont la faute nous incombe aujourd'hui? Ta question est très juste, mon garçon, mais tu as oublié de lever la main. Bonjour, je suis Adam Brookman. Vous m'avez certainement déjà vu dans d'autres films de prévention tels que conduire sa voiture avec 6 grammes n'est sans doute pas une bonne idée, la violence pour une île, ou bien encore, est-il prudent d'allumer sa cheminée avec du napalm? Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de l'Autoclaque 3000, dispositif révolutionnaire basé sur la propagation d'ondes et permettant une régulation directe de toutes ces petites choses qui ne doivent plus exister dans notre monde civilisé. Commençons par le vol. Depuis la nuit des temps, l'élève a toujours rêvé de voler comme l'aigle. Voler des calculatrices. Sortez vos calculatrices, s'il vous plaît. Le temps record de 1 minute 51 secondes et 58 centièmes est détenu par l'Autrichien Fritz Strobl depuis 1997. En janvier 2010, le Suisse Didier Kuch remporte la course en 1 minute 53 secondes et 74 centièmes. Calculez la vitesse de ces deux skieurs sur la descente. Donnez ces valeurs en kilomètres par heure. Quelle distance sépare ces deux champions à l'arrivée du plus rapide? Evan, au tableau, s'il vous plaît. Ah, les détritus. Un fléau ayant parfois bloqué des élèves. Passons à la détérioration, ou comme certains l'ont appelé, la période creuse. Et pas qu'au niveau des notes. Nous nous quitterons sur une note de violence. Et vous aurez remarqué que je suis bien aimable et fort bien poli. Et bien tout cela, je le dois à l'Autoclaque 3000. Vive l'Autoclaque 3000!